Eh bien, salut tout le monde, ici Zedchima, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark. Donc aujourd'hui, nous allons faire spawn le N-Tank et N-Drone. Donc, défense unité, ou unité de défense, et le deuxième c'est... C'est quoi déjà le nom? Je me souviens plus. Attendez, je vérifie. Drone d'attaque. Donc j'ai déjà tapé la commande, mais je me suis gouré le menu, voilà. Donc regardez, là, vous voyez bien, ça marche pas. Donc ça va être le même principe que pour les boss, il va falloir activer la grotte. Donc normalement, hop, vous allez dedans, même si vous avez rien, regardez, j'enlève tout. Si vous êtes en mode créa, vous pourrez l'activer quand même. Bien sûr, il faut cliquer une paire de fois parce que ça... Ah non, il faut quand même les mettre. Moi, je dis de la merde. Ah bref, vous pouvez les mettre, de toute façon ils se consomment pas, du coup vous pourrez l'activer autant de fois que vous le souhaitez. Ouais, tu veux bien t'ouvrir ou ça se passe comment? Voilà, vous voyez j'ai toujours mes trophées, mais des fois ça bug un peu du coup. Par contre il a gobé tous mes skins, ça c'est pas grave. Donc je vais y aller, voilà, normalement... Si je dis pas de bêtises. Non, pas ça. Hop. Ah non, faut quand même aller dans le vaisseau. Ah ça c'est dommage. Parce que c'est chiant de la refaire à chaque coup. C'est déjà la cinquième fois que je la fais en deux vidéos. Mais ça va assez vite. Surtout vous faites comme moi, vous faites en flip. Hop. On descend tout en bas. Vous embêtez pas à faire tout le tour, vous voyez la cascade de lave, vous descendez. Voilà, tout en bas, et la porte est juste là-bas. Voilà. On va y arriver. Bon, au pire, je vais vous faire une ellipse, jusqu'au temps que je suis sorti d'ici. Eh bien, tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait spawn un drone. Donc, petite précision. Il vous faut absolument faire spawn le boss de la grotte de fin pour qu'il spawn. Parce que juste avant, j'ai fait un essai. D'ailleurs, ça sera coupé au montage. Et je suis ressorti directement arrivé dans le vaisseau. Et bah tout simplement mon drone n'a pas spawn. Donc ça c'était pour le drone. Donc la commande c'est N drone. Donc de toute façon elle sera en description. Voilà, regardez. Hop, il spawn. Par contre les drones qu'on fait spawn à la surface et les drones qu'on fait spawn dans le vaisseau ne sont pas de la même couleur. Je vous mettrai une petite bande annonce. Enfin, petite vidéo que j'ai fait à bord du vaisseau, et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout de la même couleur. Ceux que j'ai là, ils sont tout simplement blancs, alors que l'autre que j'avais, d'ailleurs, je crois qu'il est en dessous, j'irai voir après, il était rouge, enfin, au niveau de ses hélices. Il était beaucoup plus beau d'ailleurs. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc ça, c'était pour les drones. Par contre, ça fait très peu de dégâts, clairement. Ça a peu de PV, voilà 30. Bon, ils l'ont quand même tué. Bon, après, c'est qu'un 16. Ça a peu de PV et on peut les monter. Par contre, regardez, si je m'approche là, il demande une saddle. Donc, je vais vous faire voir juste après comment. Juste avant, je vais faire spawn le tank. Donc, vous effacez drone et vous mettez tout simplement tank. Voilà. Et voilà, il le spawn. La petite bouboule a spawn. Ah mais il est renfermé. Comment ça se fait? Ah ça y est, il est sorti. Bah les drones, tuez-le. Hop. Ah bah renvoie mon drone de tout à l'heure. Celui que je vous disais que j'avais pris dans le vaisseau. Oui, parce que j'avais mis un gosse pour dire qu'il traverse les murs, mais il y a eu un gros décalage entre les deux.
Voilà, donc toi, unité défense. Par contre, toi, je te conduisais tout à l'heure et là, je ne peux plus. Ah si, bah montez, voilà. Crève le piaf. Vous voyez à quel point ça ne fait pas de dégâts. Mais c'est très très dur à viser. Un petit combat aérien. Mais ça, c'est fun, je dois l'avouer. Par contre, lui, je ne peux pas lui augmenter ses levels. Oh non, mais lui, ça bat les couilles. Moi, je vais faire plus simple parce que le piaf, il me prend la tête. Hop. On va faire un petit kill. J'ai quand même tapé dans le micro. Voilà. Alors, faut bien que je le vise. Voilà. Problème réglé. Alors, je vais le ramener en bas. Hop. Regardez, lui, il passe bien à travers. C'est normal, il est en ghost. Donc, je vais le mettre à ce niveau-là. Toi, arrête. Oh, il est... Il fallait chercher les autres. Pas bouger. Enfin, surtout un. Bah, si je le retrouve. Ah, là. Donc, comme vous le voir, il demande une selle. Mais le problème, c'est que. Eh ben, on n'a pas la selle. Vous pouvez vérifier dans toutes les commandes. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, radical. Mais efficace. Hop, on lui refait un force tame. Voilà. Et là, grâce au force tame, on n'a plus besoin de sel. On peut le monter directement. Ah merde, j'en ai. Il est passé où l'autre corps? Alors je veux pour les comparer et l'autre il s'est fait la malle. Ouais, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Par contre, regardez la maniabilité, c'est vraiment super fluide et super rapide. Non, non, je kiffe. Et sur cela, si vous les faites spawn à l'extérieur, vous pourrez augmenter leur level. Par contre, il faut que je retrouve où j'étais. Je devais être là quelque part. Non, j'étais où? Ah non, j'ai pas envie de retaper les commandes. Il va tellement vite que je suis paumé, je ne sais plus où j'étais. Ah, juste là. Par contre, mon rouge, il a complètement disparu. Ouais, je suis assez deck. De toute façon, vous avez bien vu la différence. Je pense, j'étais sur les deux. Donc, tout simplement, attendez, je suis encore en train de rechercher. Bah, tout simplement, la vidéo va s'arrêter là. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!